Je crois que ce qui se joue ici, c'est un geste fondamentalement de désanthropocentrisation du réel. Celui que, paradoxalement peut-être, on peut, je crois, faire remonter jusqu'aux aèdes, jusqu'aux poètes de la Grèce antique, qui ont pensé dans une sorte de fascinante consubstantialité primitive la naissance des dieux et des éléments, peut-être ce qu'on appellerait aujourd'hui les lois et les choses, comme si à regarder de plus près, il fallait déconstruire l'abîme qui sépare la nécessité de la contingence, comme s'il fallait penser in fine les aléas impromptus et les schèmes structurants sur un même mode. Je crois que pour les Grecs anciens, et peut-être aussi dans une certaine mesure pour Giordano Bruno, peut-être tout est religieux, mais rien n'est sacré. Personne dans la Grèce antique ne fut damné pour avoir prétendu, comme Homère, qu'Aphrodite était fille de Zeus, ou comme Hésiode, qu'elle naquit de l'écume de Pontos. Il y a un socle commun de connaissances. Les poètes connaissaient la liste des naïades et des néréides. Nous autres physiciens connaissons quelques petites choses aux équations du monde subatomique et cosmologique. Mais nous sommes ici dans un jeu de réappropriation et de reconstruction. On disait des poètes grecs qu'ils étaient les maîtres de la mosaïque. Et c'est ce dont il est question, créer une nouvelle mosaïque qui se fonde sur cette mise à distance, dirais-je, de notre apperception directe du réel. Alors, Dieu merci, ou peut-être faudrait-il dire Darwin merci, la nature a bien fait les choses et nous a dotés de détecteurs naturels, nos yeux en l'occurrence, qui, comme vous le savez, sont adaptés à la lumière émise par notre étoile, le Soleil. Mais il existe d'autres astres dans l'univers qui émettent des grains de lumière dont l'énergie peut être beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite que celle qui nous est usuellement accessible. Et si l'on veut tenter d'élaborer peut-être pas une vision objective, mais au moins une vision largement intersubjective de notre environnement cosmique, il est indispensable de tenir compte de ces autres rayonnements. Alors Giordano Bruno écrivait dans Des liens, dès lors, celui qui veut lier, qu'il soit bien persuadé que la raison ne perçoit pas en partage un rôle plus important ou plus essentiel dans l'action de lier. Il ne suffit pas de raisonner, il faut observer. Et il poursuit. Les ouvertures par lesquelles on jette les liens sont les sens, et en premier lieu, la vue, en toute éminence et dignité. C'est ce dont il est question en astronomie, voir, mais continuer de voir, prolonger le geste de voir, à la manière de Bruno qui prolonge le geste de Copernic. Si par exemple nous pouvions scruter l'univers avec des yeux sensibles non pas à la lumière visible, mais plutôt aux très basses énergies, aux très grandes longueurs d'onde, ce qu'on appelle les ondes radiofréquences, nous pourrions entre autres choses apercevoir la structure filamentaire du gaz de galaxie qui structure l'univers à grande échelle, alors même que celle-ci est très difficilement accessible dans les longueurs d'onde optiques. À légèrement plus haute énergie, nouveau visage de l'univers, nouvelle diversité. Dans le domaine des micro-ondes, on observerait ce qu'on nomme le fond diffus cosmologique. Vous savez, cette lumière relique du Big Bang qui témoigne de l'état de cosmos quelques 380 000 ans seulement après l'état primordial, l'état primitif. Une image esthétiquement pauvre, parce que présentant un ciel presque parfaitement uniforme, aussi lumineux que le soleil dans toutes les directions. Mais une image scientifiquement riche, parce que témoignant de la première jeunesse de notre univers. À légèrement plus haute énergie, dans le domaine des infrarouges, nouveaux visages, là encore, ce sont par exemple les lieux de haute densité dans la galaxie qui deviendraient visibles, le centre de celle-ci notamment, et le trou noir supermassif qui s'y trouve, alors même que les longueurs d'ondes optiques, celles de nos yeux, sont très absorbées et par conséquent ne permettent pas d'observer de façon significative ces processus, les infrarouges se déplacent librement et permettent donc de révéler de nouveaux visages du cosmos. Plus haute énergie toujours, dans le domaine des ultraviolets, on pourrait, entre autres choses, sonder les raies du deutérium. Le deutérium est un élément fascinant parce qu'il est léger, certes, mais surtout fragile. Et cette fragilité est une aubaine.
Ça signifie qu'il ne saurait aujourd'hui, pour l'essentiel, être synthétisé dans la fournaise stellaire, dans les étoiles, sans être détruit par les conditions hostiles qui y règnent. Il est donc un signe, une trace, comme un vestige de l'univers le plus reculé, non plus 400 000 ans après le Big Bang, comme le fond diffus que j'évoquais à l'instant, mais quelques secondes seulement après le Big Bang. À plus haute énergie encore, dans le domaine des rayons X, nouveau visage, visage des processus thermiques extrêmes, par exemple astres compacts, dont la température de surface se contraint en dizaines ou en centaines de milliers de degrés, et qui d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, perdront leur énergie jusqu'à voir leur cœur évoluer vers une structure de diamant pur, qu'on se souvienne que Cosmos, dans la délicieuse polyphonie du grec, réfère à l'univers, à l'ordre du plérum, mais aussi aux joyaux, aux bijoux, voire même aux breloques. Et enfin, dans le domaine des rayons gamma extrêmes, imaginez un tout autre ciel. C'est toujours cette diversité dans l'unité qui est très chère à Bruno. Imaginez un cosmos sans Hélios et sans Séléné, donc sans soleil et sans lune, sans étoiles, sans planètes, pas assez puissant pour émettre ces rayons de gamma extrêmes. Un ciel essentiellement noir où brillerait de mille feux un nouvel astre du jour, en lieu et place, si l'on peut dire, de notre soleil, la nébuleuse du Crabe. Un objet peu connu pour ceux d'entre nous qui ne sont pas professionnels, un objet pourtant dont la légitimité ontologique, si vous voulez, en tant qu'être, est tout aussi naturelle et évidente que celle de nos étoiles quand on scrute l'univers avec différents yeux. Alors ce pulsar, dit-on, émet des particules relativistes qui viennent irradier le milieu interstellaire environnant. Alors physique des particules, disais-je, c'est sans doute l'une des grandes avancées de la science du XXe siècle. C'est aussi d'ailleurs la quête d'un oxymore. Qu'est-ce que l'infiniment petit ? Presque une contradiction dans les termes. Bruno écrivait « Ainsi donc, c'est lié celui qui détient la raison de l'univers, ou du moins, la nature de la chose particulière qu'il doit lier, sa disposition, son inclination, sa manière, son usage, sa fin. Et c'est ce dont il est question ici. Précisément, après avoir étendu la vue, il faut aller au-delà de la vue, ou en deçà de la vue. Il faut raisonner. Et effectivement, la physique des particules est dans une large mesure une construction mathématique ou théorétique. Les entités élémentaires, les quarks, ne sont plus des petites billes liées par des ressorts, comme on le dit parfois. Ce sont plutôt des représentations irréductibles de groupes de symétrie. C'est, de temps en temps, au très lourd prix de l'abstraction, que se révèlent certains visages de cosmos. Obsession donc de l'unification. Unifier la force électrique et la force magnétique, puis la force électromagnétique avec la force nucléaire faible. C'est le fil conducteur du physicien de l'infiniment petit. C'est ce qu'on appelle le principe de jauge. Mais, heureusement, sans doute, et Bruno y était particulièrement sensible, l'univers qui nous entoure n'est pas unifié. Il est diversifié et foisonnant. Il est polychrome et polymorphe. Il faut donc un second principe qui vient en quelque sorte contrebalancer le premier et réhabiliter la diversité effective en dépit de cette tension ou intention conceptuelle vers l'unité. C'est le principe de brisure spontanée de symétrie. Si je pose un feutre sur sa pointe, il est parfaitement symétrique par rotation autour de son axe. Mais quand je le lâche, il tombe. Et en tombant, il choisit une et une seule direction privilégiée. Autrement dit, il brise la symétrie qui, initialement, le caractérisait. Ce n'est pas un détail technique, c'est une révolution ontologique, parce que ça signifie que nos lois, c'est-à-dire ce qui semblait le plus éminemment et évidemment nécessaire, immuable, deviennent elles-mêmes contingentes. Ça signifie que nos lois se réinterprètent comme des phénomènes. Ça signifie que nos lois ont une histoire, puisque cette brisure de symétrie, si l'expérience univers était répétée, ne se déroulerait pas nécessairement de la même manière. D'ailleurs, vous savez que le boson de Higgs, récemment découvert au grand accélérateur du CERN, est exactement le champ qui permet cette brisure spontanée de symétrie. Alors, physique des particules, disais-je, mais des particules relativistes. La relativité, c'est la première grande déconstruction de l'image post-brunienne, donc de l'image kantienne, d'un espace et d'un temps en soi, presque pour soi, dirait Newton. Bruno écrivait « Étant donné que rien de ce qui est particulier n'est absolument beau, bon, vrai, etc., ni au-dessus de tous les genres,
ni même au sein d'un genre ou d'une espèce. Il n'est rien qui puisse de manière simple, par ces mêmes degrés. Autrement dit, que dit Bruno, il y a du relatif. Il y a du relatif ontique, il y a du relatif intrinsèque et indépassable. Mais c'est exactement ce que nous évoque la théorie de la relativité, qu'on aurait tort, à mon sens, de disjoindre du relativisme, pas du relativisme naïf, pas du relativisme nihiliste, naturellement, mais du véritable relativisme épistémique. Ce que nous montre la relativité, c'est d'abord que la révolution est bien sûr dans ce qui est dit, dans ce qui est énoncé sur le monde, mais également dans les fondements. La relativité est la première théorie de jauge de l'histoire, c'est-à-dire la première proposition sur le monde à se fonder sur une symétrie, comme je l'évoquais précédemment. En l'occurrence, invariance des lois de la physique par déplacement spatial et temporel. Quand Isaac Newton énonce les Principia, il ne les suppose pas valides exclusivement à Cambridge, mais aussi à Athènes ou Alexandrie. Les lois sont les mêmes partout. Il ne les suppose pas exclusivement valides en l'an de grâce 1683, mais aussi la veille et le lendemain. Les lois sont les mêmes tout le temps. Bien sûr, nous vieillissons, nous périssons, mais les lois qui décrivent notre corps, elles, ne vieillissent pas. De façon remarquable, Einstein montre, en conséquence de cette hypothèse presque inévitable, presque définitoire du concept de loi, trois conséquences fondamentales et révolutionnaires. D'abord, l'existence d'une vitesse limite, absolue, indépassable, on le sait, la vitesse de la lumière. Mais ce qui est important, ce n'est pas qu'elle soit la vitesse de la lumière. Ce qui est important, c'est qu'elle soit, si l'on peut dire, la constante de structure de l'espace-temps. Autrement dit, qu'elle soit intrinsèque à l'espace lui-même et non pas au phénomène qui s'y déploie. Ce que je veux dire, c'est que l'existence d'une vitesse limite ne dépend pas des lois à l'œuvre dans notre monde. Elle dépend du simple fait que des lois existent. C'est beaucoup plus profond que ça. Ensuite, deuxième conséquence fondamentale, un lien indéfectible entre l'espace et le temps. Vous le savez, si je me mets en mouvement par rapport à vous, mon temps s'écoulera légèrement moins vite que le vôtre. Quand on se retrouvera, nos montres seront désynchronisées. Vous le savez, vos enfants pourraient devenir plus vieux que vous. Il suffirait que vous soyez soumise à une vitesse suffisante pendant un temps suffisant, et lors des retrouvailles, vos enfants seraient effectivement plus âgés que vous le seriez alors à ce moment de rencontre. Il y a une sorte de plasticité fondamentale de l'espace et du temps qui s'invite dans la partie. Et enfin, troisième conséquence fondamentale, E égale mc carré. Autrement dit, là encore un lien, et c'est pourquoi je me place sous l'égide de ce livre de Bruno, les liens. Il y a un lien organique entre deux grandeurs de nature différente. D'une part le E, l'énergie, d'autre part le M, la masse. Ce n'est pas une simple formule technique. C'est quelque chose de très étonnant parce que la masse est liée à l'être, si vous voulez. Elle est essentielle. Elle fait partie de ce qui définit l'objet fondamental étudié. Au contraire, l'énergie n'est qu'un avoir. Elle est susceptible de varier. Elle est une caractéristique. E égale mc carré, c'est donc un lien entre un inné et un acquis, entre un essentiel et un accidentel, entre un être et un avoir. Et ça, ça ouvre la possibilité à transformer, pourrait-on dire, ou transsubstancier, si on le souhaite, l'un dans l'autre. Ça signifie qu'une propriété peut être transformée en existence. Du point de vue métaphorique, je dirais que c'est comme si on pouvait transformer la qualité de timbre d'un instrument en existence matérielle d'un nouvel instrument sans détruire le premier. Ou, maintenant, de façon littérale, c'est comme si on énonçait, et c'est le cas, que dans un accélérateur de particules, on va transformer non pas certaines particules en de nouvelles particules, ce qui serait trivial, mais que l'on va transformer le déplacement des particules initiales, leur vitesse, en existence matérielle, tangible, mesurable, de nouvelles particules, éventuellement sans détruire les premières. On change du mouvement en étant. Ça, c'est un lien absolument radical. Alors, ces particules élémentaires sont bien sûr signifiantes en tant que sondes de la diversité du cosmos. Mais elles sont aussi signifiantes en tant que compréhension de la structure intime de la matière. Il faut, pour sonder l'univers, user de tous les moyens à notre disposition. Les yeux ne suffisent pas. Bruno écrivait « La nature a dispersé, différencié, d'une certaine manière disséminé les objets de beauté, de bonté, de verte et de dignité. »
Eh bien, précisément, c'est pour faire face à cette dissémination, je me garderai de tout rapprochement d'Héridien, qu'il faudra penser la diversité des sondes. Et en l'occurrence, je pense aux rayons cosmiques chargés, ces autres médiateurs de l'univers qui révèlent de nouveaux visages de cosmos. Je donne un seul exemple. Les rayons cosmiques, ce sont des protons, des électrons, des noyaux d'hélium, de carbone, de béryllium, de fer, bref, des particules qui sillonnent l'espace interstellaire en tous sens. Ces particules permettent de faire face à une question lancinante de l'astrophysique contemporaine. Où est donc passée l'antimatière? Les lois de la physique sont presque exactement les mêmes pour matière et antimatière. Comment se fait-il donc que la nature ait choisi, dirais-je, la matière contre sa consœur ennemie, l'antimatière? Pourquoi Neil Armstrong, lorsqu'il a marché sur la Lune, ne s'est pas annihilé? Ce qui signifie que la Lune, comme son corps, est constituée de protons et non pas d'antiprotons, sans quoi la rencontre aurait été explosive. À moins qu'en réalité Cosmos soit structuré en larges domaines, domaines de matière, domaines d'antimatière, et qu'une partie des galaxies lointaines observées soit en réalité des antigalaxies, avec peut-être en ce moment même des antiplanètes, des anticonférences, réfléchissant sur d'antiques antiphilosophes. Et pour venir à bout de cette énigme, la lumière ne suffit pas, parce que la lumière est indiscernable de l'antilumière. Donc je ne sais pas si j'observe une galaxie ou une antigalaxie. Au contraire, les rayons cosmiques que j'évoquais à l'instant permettent de choisir et de signer l'étoile ou l'anti-étoile qui leur aurait donné naissance. Au-delà de la lumière, au-delà des rayons cosmiques, je pense aux neutrinos. Les neutrinos sont des particules fantômes, fugaces, sans charge, sans masse ou presque, sans couleur. Les neutrinos ne disposent que d'une seule des interactions fondamentales de la physique pour interagir avec le monde qui les entoure. Bruno écrivait « Le lieur fait donc passer les liens par la connaissance en général ». Et il faut effectivement être très généraliste pour penser ou même inventer les neutrinos, parce que Pauli en conçut l'existence à partir d'un déficit d'énergie, c'est-à-dire qu'il avait une compréhension globale du processus et une foi aveugle dans les principes de la physique qui lui ont permis d'inférer l'existence de cette nouvelle particule. Et aujourd'hui, cette nouvelle particule est une sonde précieuse parce qu'elle n'est pas altérée par les processus de propagation. Pensez un instant à nouveau à notre étoile, le Soleil. Quand je le scrute avec mes yeux, je ne vois qu'une peau ou une pelure d'étoile. Je ne vois que la surface, parce que le Soleil n'est pas transparent à sa propre lumière. Je ne vois pas le cœur du Soleil. Alors, je sais bien, dans un geste d'ailleurs très stoïcien, Paul Valéry, souvent cité par Deleuze, aimait à rappeler que le plus profond, c'est la peau. Mais derrière cette peau, il y a un corps. Fût-ce un corps sans organes, à la manière d'Artaud, un corps nucléaire qui brûle chaque seconde quelques 500 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. Et ce corps, pour en voir la structure fine, bien sûr, les neutrinos jouent un rôle considérable. Je ne suis pas les seuls, bien sûr. Il y a des spécialistes dans la salle qui savent que les processus de sismologie, par exemple, sont extrêmement intéressants. Mais, entre autres sondes, les neutrinos permettent d'aller, ce n'est pas le seul moyen, au cœur des astres. Quand on étudie les noyaux actifs de galaxies, les quasars, ils permettent de répondre à des questions auxquelles la lumière ne permet pas de faire face de façon non équivoque. Et enfin, je pense à un dernier médiateur, peut-être plus étrange ou plus indirect encore, les ondes de gravité. Les ondes de gravité sont des petits tressaillements de ce qu'on appelle la métrique, autrement dit de la géométrie de l'espace. Bruno écrivait que la condition des liables ne se révélera donc pas sans peine, ni par une observation sommaire. Et effectivement, il nous faut ici peiner et aller bien au-delà de l'observation sommaire. Depuis des décennies, les astronomes ou physiciens tentent de détecter ces imperceptibles tressaillements de l'espace-temps. Mais le projet en vaut la chandelle, parce que les ondes de gravité nous permettront pour la première fois dans l'histoire de voir directement la géométrie de l'univers, peut-être de réaliser un peu du projet platonicien. Elles sont prédites par la relativité générale, sans doute la plus belle,
la plus étrange, la plus subversive aussi, théorie jamais proposée par l'esprit humain, au moins dans le domaine des sciences dures. La relativité générale, c'est une posture, ou une proposition, une hypothèse, un modèle, qui consiste à comprendre que, bien sûr, l'espace se distord et se distend eu égard à la présence des corps. Autrement dit, dans notre étrange partie d'échecs cosmologiques, la morphologie des cases évolue au gré de la position des pièces. Un peu comme si, dans notre théâtre, le décor se transformait au fur et à mesure que les acteurs y évoluent. Plus profondément encore, ce que nous montre la relativité générale, c'est que l'espace est une grandeur dynamique. L'espace n'est plus le cadre dans lequel se déploient ou se déplient les phénomènes, comme on le pensait jusqu'alors. L'espace devient lui-même un phénomène. L'espace est en interrelation avec les autres circonstances et processus de l'univers. Il est régi par ses propres équations d'évolution. Ou pour le dire de façon un peu plus provocatrice, mais non moins exacte, ce que nous montre la relativité générale, c'est que l'espace-temps n'existe pas. Nous habitons sur ou dans le champ gravitationnel. Le champ de gravité en lieu et place de l'espace. Et vous le voyez, c'est bien sûr une proposition scientifique, mais c'est aussi une proposition philosophique. C'est une vision strictement relativiste et relationnelle. Les choses ne sont plus ici et là. Elles ne sont que les unes par rapport aux autres et les unes par rapport au champ de gravité créé par les autres. Alors, notre cosmologie présente un visage très plurivoque de l'univers, mais elle est une science dont l'existence même est finalement étrange. Peut-on véritablement appréhender l'univers ? Bruno écrivait qu'il est nécessaire que celui qui doit former le lien possède, en quelque façon, une compréhension d'ensemble de l'univers. Et c'est très exactement cet ensemble qui pose problème. D'abord, un problème conceptuel. Parce que nous faisons partie de cet ensemble. Le processus expérimental de la science consiste à se distancier autant que faire se peut de l'objet d'étude pour ne pas interagir avec lui, pour ne pas influer sur son état. Mais nous faisons partie du système univers et nous ne pouvons pas nous en extraire. Pire, l'expérience en question n'est pas reproductible. Or, le processus d'inférence consiste à réitérer des expériences dans des conditions similaires de façon à observer des régularités qui permettront d'inférer les lois. Mais je ne peux pas recommencer l'expérience création de l'univers. Je n'ai qu'un échantillon à disposition. Pire encore, les conditions initiales y jouent un rôle spécifique. Si vous connaissez parfaitement les lois de la gravité et du frottement de l'air, et que je vous demande où va tomber ce crayon, vous ne pouvez pas répondre. Parce qu'il vous manque une donnée, qui est comment je vais le lancer. Comment je vais le lancer, ce sont les conditions initiales. Les conditions initiales sont antérieures et extérieures à l'expérience considérée. Mais il n'y a ni antériorité, ni extériorité à l'expérience création de l'univers. Il faut donc que le modèle génère en quelque sorte de lui-même ses propres conditions initiales. Et je dirais que le petit miracle provient de ce qu'en dépit de ses spécificités ou de ses difficultés, la cosmologie est effectivement devenue aujourd'hui une science et même une science de précision. Elle repose sur un certain nombre d'étais que, bien évidemment, Bruno ne connaissait pas. Je pense d'abord à la récession des galaxies. La loi de Hubble, chaque corps dans l'univers s'éloigne de chaque autre avec une vitesse d'autant plus grande que leurs distances sont importantes, en adéquation avec l'image d'un Big Bang ou d'une explosion primitive. Ensuite, ce qu'on nomme la nucléosynthèse, c'est-à-dire que les éléments chimiques dans l'univers sont en très bonne adéquation avec ce que prédit le modèle. Et enfin, au cœur de l'actualité, ce fond diffus que j'évoquais tout à l'heure, cette relique du Big Bang. Bruno écrivait « Par une réflexion préalable, avisée, il faut savoir à l'avance le moment propice à la ligature » et avoir la présence d'esprit, de profiter vite de l'instant présent, afin de lier, et d'enchaîner aussitôt ce à quoi on croyait pouvoir lier. Eh bien, c'est exactement de cette présence d'esprit que les astrophysiciens ont fait preuve récemment. Nous sommes dans une période révolutionnaire. Les questions sur l'origine de l'univers se posent depuis des millénaires, et des réponses
radicalement novatrice émerge depuis des décennies, parce que nous avons saisi cette opportunité à la fois conceptuelle et expérimentale dont nous disposons aujourd'hui pour scruter d'infimes fluctuations dans ce fond diffus cosmologique. Qui témoignent de quoi ? D'ondes de densité. Mais les ondes de densité, vous savez qu'en physique, c'est ce qu'on appelle les ondes acoustiques. Le timbre d'un instrument de musique, nous en avons tous fait l'expérience, nous renseigne sur sa facture, nous en dit long sur sa facture. Il est donc possible, et c'est là encore de façon littérale et sans aucune métaphore, à partir de la structure harmonique de ces ondes dans l'univers primordial, qu'on n'écoute pas avec nos oreilles naturellement, qu'on écoute de façon détournée, mais qui est un processus de nature acoustique, c'est donc à partir de la structure harmonique de ces ondes qu'il est aujourd'hui possible de reconstruire avec une très grande précision l'essentiel des paramètres, la masse volumique, le spectre de puissance, la vitesse d'expansion et ainsi de suite, qui président au modèle cosmologique standard. Hélas, ou peut-être heureusement pour les chercheurs, un certain nombre de paradoxes viennent gréver ce magnifique paradigme. Je pense d'abord au problème de l'homogénéité. Comment comprendre que le ciel présente essentiellement partout la même température globale, alors même que différentes zones semblent décorrélées, c'est-à-dire n'ont pas pu interagir les unes avec les autres? Il faut amender le modèle cosmologique. Il faut supposer qu'il existait une phase étrange d'inflation, d'augmentation considérable de la taille de l'univers qui permette en quelque sorte de recoller ces zones qui ne sont plus qu'apparemment disjointes. Mais il y a pire. Bruno écrivait « Certains qui n'ont guère de discernement, comme les platoniciens, pensent que ce qui lie est l'aspect d'une chose. » Et effectivement, nous sommes dans une situation où il est fondamental d'aller très au-delà de l'aspect de ces choses. Je pense par exemple au trou noir. Vous savez, vous qui entrez ici, perdez toute espérance, écrivait Dante dans sa comédie pour décrire les enfers. Et c'est peut-être un peu ce que sont les trous noirs, des enfers, parce qu'il est impossible d'y pénétrer en conservant l'espoir de s'en extraire. D'ailleurs, Dante cite Virgile dans cette phrase. Les trous noirs poussent la relativité à son paroxysme. La vitesse d'un corps en chute libre sur un trou noir serait mesurée par l'observateur local comme la plus grande possible, celle de la lumière, et par l'observateur global comme la plus petite possible, c'est-à-dire zéro. Vision antagoniste et pourtant compatible, apparemment antagoniste, mais on veut, suivant Bruno, aller au-delà de l'apparence, et effectivement compatible dans une acception relativiste. Dans le trou noir, c'est en quelque sorte l'espace qui se change en temps et le temps qui se change en espace, jusqu'à la singularité centrale qui est moins un lieu spatialement déterminé qu'une sorte d'achèvement du temps lui-même. Ensuite, je pense à la matière noire. Nous évoquions tout à l'heure la structure d'unification de la physique des particules. On unifie l'électricité et le magnétisme, on unifie l'électromagnétisme avec la force nucléaire faible. Il devint rapidement évident qu'il fallait également unifier avec les autres forces nucléaires. Le groupe mathématique qui permet cette unification, simplement, se nomme SU5. Vous savez, SU5 fait partie des théories qui ne peuvent pas être fausses, trop évidentes, trop élégantes, trop prédictives, trop attendues. Néanmoins, dirais-je pour la beauté du geste, SU5 fut mise à l'épreuve de l'expérience, et comme vous l'imaginez, SU5 fut infirmé. La nature, naturus, au féminin natura, du verbe latin nascor, sa racine, ce qui est en train de naître, sur le point de naître, le processus même de naissance. Autrement dit, la nature, c'est presque l'étonnante par définition. Tout ça est une grande leçon d'humilité, un peu comme si un délice plus qu'un supplice de Tantale faisait se dérober la théorie ultime dès lors qu'on la croit à portée de main. Et enfin, je pense à l'énergie noire. L'expansion de l'univers est bien comprise. C'est une conséquence de la théorie d'Einstein. Rappelez-vous, l'espace est dynamique. L'univers grandit, ça ne signifie pas que les galaxies bougent dans l'univers pour s'éloigner. Ça signifie que c'est l'espace lui-même qui est en train d'enfler conformément à ses propres équations du mouvement. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'univers grandit, ou s'étend, disons, de plus en plus vite. Et cette accélération est incompatible avec la gravité, qui est essentiellement une force attractive et donc une force de freinage. Pour venir à bout de ces paradoxes
dans le macrocosme, sans doute faut-il revisiter le microcosme. Et si les particules élémentaires n'étaient pas, comme on le pense usuellement, des petits points, mais plutôt des structures filiformes, d'élastiques, ce que la tradition retiendra comme des cordes. La théorie des cordes, c'est une spéculation physico-mathématique qui permet d'unifier l'ensemble des particules et des interactions, qui permet d'inclure la gravitation, mais qui est assez lourde en termes d'hypothèse. Vous connaissez cette proposition, ce casse-tête qu'on propose parfois aux enfants. Comment réaliser quatre triangles équilatéraux avec trois allumettes? Ils ne savent généralement pas répondre, parce qu'il n'y a pas de solution dans le plan. Il y a une solution dans l'espace, c'est le tétraèdre, c'est la pyramide. Autrement dit, pour trouver la réponse, il faut inventer une dimension supplémentaire. C'est un peu ce qui se passe en théorie des cordes. Il faut inventer plusieurs dimensions supplémentaires, puis les compactifier, c'est-à-dire les cacher, puisque manifestement nous ne les voyons pas. La diversité liée à ces manières de les compactifier, de les cacher, de les recroqueviller, de les recourber, est si immense qu'il s'en suit un quasi-continuum, quasi-infini, de lois physiques possibles, effectives, différentes. Voilà la première image du multivers. Alors j'aimerais, si vous me permettez, maintenant citer un peu plus longuement Bruno. Et là, je cite un texte beaucoup plus connu qui a été en particulier rendu célèbre par Coiré, qui le suscite dans son fameux livre « Du monde clos à l'univers infini ». Persévère, cher Philothéo, persévère. Ne te décourage pas et ne recule pas. Parce qu'avec le secours de multiples machinations et artifices, le grand et solennel Sénat de la sotte ignorance menace et tente de détruire ta divine entreprise et ton grandiose travail. Et parce que dans la pensée de tout un chacun se trouve une certaine sainteté naturelle, sise dans le haut tribunal de l'intellect, qui exerce le jugement du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres, il adviendra que des réflexions particulières de chacun naîtront pour ton procès des témoins et des défenseurs très fidèles et intègres. Fais-nous encore connaître ce qu'est vraiment le ciel, ce que sont vraiment les planètes et tous les astres, comment les mondes infinis sont distincts les uns des autres, comment un tel effet infini n'est pas impossible mais nécessaire, comment un tel effet infini convient à la cause infinie, quelle est la vraie substance, matière, acte et efficience de tout, comment toutes les choses sensibles et composées sont formées des mêmes principes et éléments. Apporte-nous la connaissance de l'univers infini. Déchire les surfaces concaves et convexes qui terminent au-dedans et au-dehors dans les éléments et les cieux. Jette le ridicule sur les orbes déférents et les étoiles fixes. Brise et jette à terre, dans le grondement et le tourbillon de tes arguments vigoureux, ce que le peuple aveugle considère comme les murailles adamantines du premier mobile et du dernier convexe, que soit détruite la position centrale accordée en propre et uniquement à cette terre. Supprime la vulgaire croyance en la quintessence, donne-nous la science de l'équivalence de la composition de notre astre et monde, avec celle de tous les astres et mondes que nous pouvons voir. Qu'avec ses phases successives et ordonnées, chacun des grands et spacieux mondes infinis nourrisse équitablement d'autres mondes infinis de moindre importance. Annule les moteurs extrinsèques en même temps que les limites de ces cieux, ouvre-nous la porte par laquelle nous voyons que cet astre ne diffère pas des autres, montre que la circonstance des autres mondes dans l'éther est pareille à celle de celui-ci. Fait clairement entendre que le mouvement de tous provient de l'âme intérieure, afin qu'à la lumière d'une telle contemplation, nous progressions de pas plus sûrs dans la connaissance de la nature. Alors là, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Ce geste de Bruno complétant Copernic, c'est peut-être, avec beaucoup bien sûr de réticence, de réserve et d'inquiétude, celui auquel fait face la cosmologie contemporaine. Je vous expliquais la diversité des lois créées par l'hypothétique théorie des cordes, tandis que la moins hypothétique théorie de l'inflation que j'évoquais tout à l'heure crée des univers bulles, en nombre immense, peut-être là aussi infini. Ces univers sont décorrélés les uns des autres, et si la théorie des cordes est signifiante, ils sont peuplés de lois physiques différentes. Imaginez cette strate de diversité, là où tout ou presque devient possible. Ailleurs, des mondes sans lumière, des mondes sans matière, des mondes à sept dimensions, des mondes sans temps. La question, n'en déplaise à Leibniz ou Heidegger, n'est peut-être plus « y a-t-il quelque chose ?»« Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Mais pourquoi une telle diversité et non pas une morne uniformité ? Et Wittgenstein
ouvrait son Tractatus par cet aphorisme. Le monde est tout ce qui a lieu. C'est peut-être la meilleure définition du multivers, là où effectivement tout a lieu. Ce qui est très important, je crois, c'est de percevoir que, contrairement à ce que certains crurent, il n'y a ici aucun retour au vieux démon de l'autre-anthropocentrisme pré-copernicien, disons pré-brunien. Au contraire, nous sommes exactement dans le même geste. Il s'agit peut-être, comme dirait Freud, d'une nouvelle blessure narcissique, après Copernic, Darwin et Freud. C'est donc notre monde lui-même qui serait déchu de son piédestal et réinterprété comme un îlot dérisoire et contingent dans ce vaste plurivers. Je crois qu'il y a, un sens de cette histoire, après avoir été géocentré, héliocentré, galactocentré sur la galaxie, cosmocentré sur l'univers, peut-être notre représentation globale devient-elle strictement acentrique. Une question que se posent les théoriciens. Pourquoi les lois de la nature semblent-elles si extraordinairement adaptées à l'existence de la complexité en général et de la vie en particulier? Pourquoi, parmi l'infinité des lois possibles, celles effectivement à l'œuvre sont presque les seules permettant l'existence de cet univers polychrome? Peut-être, première explication, parce que nous avons joui d'un incroyable coup de chance. Dans le coup de dé initial, la nature a sélectionné la bonne solution. C'est possible, mais peu convaincant. Peut-être, c'est l'interprétation de l'intelligent design, parce que Dieu a orienté l'existence de l'univers vers l'existence de la vie en général et bien évidemment de l'homme par-dessus tout. C'est la vision à la fois théologique et téléologique, c'est-à-dire finaliste, qui est possible également, qui n'est pas scientifique. Ou peut-être, vision plus convaincante, me semble-t-il, celle du multivers, parce que les dés ont été jetés un grand nombre de fois. Si vous jouez une fois au loto, vous êtes pratiquement sûr de perdre. Mais si vous jouez une infinité de fois au loto, vous êtes tout à fait certain de gagner. S'il existe une infinité d'univers peuplés de lois différentes, il est automatique que certains d'entre eux soient structurés suivant des lois compatibles avec la diversité des objets complexes, et en tant qu'objets complexes, nous nous trouvons naturellement au sein de l'un de ces derniers. Il y a, si vous voulez, une sorte de biais d'observation qu'il faut intégrer, non pas par arrogance. Personne dans cette explication, personne de sérieux, n'explique les lois de l'univers par l'existence de l'homme. Ça n'aurait aucun sens. Ce serait un contresens absolu. C'est simplement, au contraire, une réserve méthodologique d'humilité. Notre planète, la Terre, n'est pas représentative de l'ensemble des cieux. Bruno le savait déjà. Il est possible que notre univers ne soit pas représentatif de l'ensemble des univers. Il faut donc en tenir compte méthodologiquement. Alors la proposition est, me semble-t-il, révolutionnaire, peut-être à l'image de la rupture copernicienne, mais est-elle encore scientifique? Ça ennuie beaucoup mes collègues. Par exemple, satisfait-elle aux sacro-saints critères de Karl Popper? Est-ce scientifique ce qui est falsifiable? Ce que l'on peut mettre en défaut. Alors d'abord, au risque de me faire des ennemis, je dois dire qu'en ce qui me concerne, je pense que le critère de Karl Popper est très mauvais et n'a jamais fonctionné. Mais quand bien même on accepterait à titre expérimental ce critère comme définition de la science, oui, je crois que la définition, l'entreprise, reste scientifique, pour une raison simple. Le multivers n'est pas un modèle, il n'est pas une théorie, il est une conséquence de théorie. La théorie des cordes ou la théorie de l'inflation sont certes dures à falsifier, mais il est en principe possible de les mettre à défaut, hic et nunc, ici et maintenant. Si elles se trouvaient être condamnées, exclues, alors bien sûr toutes leurs conséquences, y compris ce lot d'univers multiples, disparaîtraient avec elles. Si au contraire elles devenaient les modèles, les paradigmes dominants, je crois qu'il y aurait quelque chose de l'obstination, pour ne pas dire de l'obscurantisme, à leur dénier la conséquence univers multiple, alors même que celle-ci apparaît naturellement et permet de résoudre certaines apories de physique théorique. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas être trop conservateur. La science est une pensée révolutionnaire par essence. Je crois que si aujourd'hui certains scientifiques venaient à éprouver le besoin ou l'envie de jouer un peu avec les linéaments de leur propre discipline, il serait peut-être plus dangereux de les en dissuader a priori que d'en étudier les conséquences. Vous savez, ni les abstractions de Kandinsky, ni l'accord Tristan de Wagner, ni l'homme qui marche de Rodin n'auraient été considérés comme de l'art par un esthéticien du XVIIIe siècle. Les champs s'auto-transforment, y compris bien sûr l'hypothétique définition de ce que peut être à un moment donné de son histoire la praxis scientifique. De plus, le multivers, au sens physique, n'apparaît pas que dans ce cadre incontestablement spéculatif de la théorie des cordes et de l'inflation.
Revenons un instant à une théorie beaucoup mieux comprise et beaucoup mieux acceptée, l'archétype d'une théorie réussie, la relativité générale. Bruno écrivait « De sorte que le lieur doit scruter l'ordre des changements et voir la forme à venir en puissance dans ce qui précède. » Oui, la forme à venir en puissance dans ce qui précède. Nous connaissons les géométries autorisées par la relativité d'Einstein, compatibles avec les symétries cosmologiques. Il y en a trois. Sur les trois, on ne sait pas aujourd'hui quelle est celle effectivement réalisée dans la nature. Sur les trois, deux conduisent à un espace infini. Mais si l'espace est infini, alors les univers sont aussi en nombre infini. Je prends ici univers en un sens restreint, presque au sens que Giordano Bruno donnait au mot de monde. J'appelle univers tout ce qui peut interagir avec nous. Ça a une taille finie, ça, à cause de la finitude de la vitesse de la lumière. J'appelle ça le volume de Hubble. Donc dans un espace infini. J'ai une infinité de volume de Hubble, donc j'ai une infinité d'univers. Mais la proposition est importante. Ce n'est pas simplement une manière d'aiguiser l'imagination. Par exemple, tout ce qui est possible doit donc s'y produire et même s'y reproduire. On doit trouver une copie à l'identique de chacun d'entre nous, à distance, gigantesque, mais finie, nos alter ego, qui ont les mêmes passés, mais pas les mêmes futurs. Autrement dit, il doit y avoir un monde où cette conférence va à son terme, et un autre, j'espère un autre, où, agacé par mon propos trop subversif, vous décidez maintenant de quitter l'amphithéâtre. Tout ce qui est compatible avec les lois, régi par une probabilité non nulle, doit se réaliser dans le multivers. Et ça, ça change au niveau méthodologique l'estimation de ce qu'on appelle généralement en science la naturalité d'un modèle. On ne peut pas ne pas en tenir compte aujourd'hui dans un certain nombre de calculs cosmologiques. La mécanique quantique, l'autre grande théorie du XXe siècle, n'est pas sans lien avec les univers multiples. Dans l'interprétation usuelle, dite de Copenhague, lorsqu'un système quantique... Vous savez, la mécanique quantique, en trois phrases, elle nous montre quoi ? Qu'au niveau de l'infiniment petit, tout devient discret, discontinu, un peu comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Elle nous montre que les particules élémentaires sont douées d'ubiquité. Et elle nous montre qu'il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique au profit d'une vision stochastique ou aléatoire. Cette mécanique quantique porte les constituants par lesquels, enfin, qu'elle régit, à être simultanément dans plusieurs états. Ce que nous n'observons pas dans le monde usuel. Je suis ici, je ne suis pas ici et là en ce moment. Il faut donc comprendre comment se fait cette transition entre l'ubiquité quantique et la singularité, la localisation classique. Dans l'interprétation usuelle, dite de l'école de Copenhague, il faut introduire un postulat que je qualifierais de conceptuellement disgracieux et mathématiquement coûteux. Donc peut-être un de mes collègues, et ce sera intéressant, parlera de décohérence, qui est quelque chose de très très, très très fondamental, mais qui, à mon sens, ne résout pas ce problème, enfin pas complètement ce problème. Une autre interprétation plus hétérodoxe, celle de Everett, consiste à supposer que lors de l'interaction d'un système quantique avec un système classique, s'effectue un branchement en univers parallèle. Autrement dit, et pour reprendre la fameuse métaphore de l'histoire de la physique, dans un monde, le chat de Schrödinger est vivant, et dans un autre, le chat est mort. L'enjeu ontologique n'est pas un détail. Vous savez, les Américains disent « many worlds versus many words », beaucoup de mots ou beaucoup de mondes. Si je veux réduire les mondes, ça devient très coûteux en mots. Donc il y a à la fois des critères esthétiques et des critères de pertinence ontique qui interviennent dans le choix qu'on peut opérer par rapport à ça. Et je vais finir avec un dernier exemple d'univers multiple. « Trois, disait Bruno, sont les portes par lesquelles le chasseur d'âmes ose lier. La vue ?» L'ouïe et la pensée ou l'imagination. S'il lui arrive de pénétrer toutes ces portes à la fois, alors il lit très puissamment. Et je termine donc avec la gravité quantique, qui est une tentative de lier très puissamment, non pas stricto sensu les portes qui sont évoquées ici, mais disons les grands principes de ce qu'on croit être les fondements de la physique contemporaine. En gravité quantique, l'espace-temps lui-même devient discret. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on applique ces approches à l'univers dans son ensemble, c'est le Big Bang lui-même qui disparaît et qui se trouve remplacé par un grand rebond, ce qu'on appelle un Big Bounce. Autrement dit, il existerait, hein, au conditionnel, un état de contraction avant le Big Bang, autrement dit, un autre univers qui se serait, qui aurait implosé, dirais-je, avant la phase d'expansion que nous connaissons aujourd'hui. Donc ici, vous voyez, le multivers n'est plus spatial ou parallèle, il est temporel.
Il y aurait donc de multiples multivers qui sont d'ailleurs compatibles les uns avec les autres. On peut rêver ou craindre, selon ses aspirations propres, une structure gigogne en poupée russe de tous ces univers multiples. Alors peut-on penser le multivers? Je crois que pour ça, Bruno a ouvert des voies absolument sidérantes. Je crois que la philosophie contemporaine en ouvre d'autres. Je cite juste deux noms dictés par mes affinités tout à fait subjectives et personnelles. Je pense, dans le courant analytique, à Nelson Goodman, qui est le grand penseur de la diversité, non pas du tout au sens des mondes physiques, mais au sens de nos capacités intellectuelles à créer des systèmes symboliques. Vous voyez, c'est une sorte de vision comme ça, démiurgique de la pensée. Moi, je crois qu'il partage, alors c'est très audacieux, hein, bien sûr, mais je crois qu'il partage une sensibilité avec Bruno, c'est celle d'une forme de relativisme qui ne soit pas du tout un nihilisme. En particulier, Bruno, on l'a bien appris à cette conférence, était très ouvert à l'existence de dogmes multiples, mais ne reniait pas l'existence de vérité. C'est exactement ce que fait Goodman. Il voit des mondes irréductibles les uns aux autres, parfois même incompatibles les uns avec les autres, mais jamais il ne nie l'existence de la vérité. Et l'autre geste dont nous sommes aussi dont nous sommes bien sûr les héritiers, mais qui est, je crois, fondé pour appréhender cette cosmologie contemporaine, c'est au contraire du côté continental, le courant des constructeurs, qui, contrairement à ce que croient certains, n'est évidemment pas du tout ennemi des sciences. Le courant des constructeurs, c'est une attention, dirais-je, portée aux petites choses, aux non-dits, aux oubliés de la tradition. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel parce que, on sait bien, le diable se loge dans les détails, mais c'est aussi dans les détails que se trouve le germe incoatif des nouvelles créations. Voilà, donc en conclusion, nous sommes évidemment dans un héritage multiple face à Bruno, dans peut-être la structure d'un double lien. D'une part, bien sûr, de par ses sidérantes intuitions cosmologiques, dont, d'un point de vue scientifique, on peut être que bien sûr admiratif. Mais aussi, me semble-t-il, et il ne faut peut-être pas l'oublier, par ce que naïvement peut-être je sens comme une grande insolence de penser, une extraordinaire capacité de subversion des créances communes, et ça peut-être nous avons un peu oublié d'en être les héritiers. Voilà, alors au niveau cosmologique, ces leçons ont été très bien intégrées. Dans d'autres secteurs, peut-être faudra-t-il s'en inspirer un peu. Je pense en particulier à l'égale dignité de tous les vivants. Et ça, nous avons encore beaucoup à apprendre. Merci.